13v15, c'est cool. Ah, comme d'hab. Pour donner un avantage à la horde. Sinon, ils perdent trop souvent. T'inquiète, on compte pour deux, c'est ça. Nous avons pas la tank. Je fais diversion. Comme ça, Naï a peu cliqué, ou Artemos. Voilà, easy. Il a rien vu. Ferme, je crois côté horde. Bon, faut aller choper soit Ciri, soit la mine d'or. On a besoin d'aide à la forge. Tiens, vu que j'étais à deux doigts de tuer le healer, je me suis dit je continue sur le healer et j'ai pas un petit tag. Je vais plus défendre Arati. C'est pas amusant. On va attaquer puis espérer que les pick-up se font pas ninja les flags.
On a besoin d'aide à Siri. On joue à Crash. On joue à Crash. On se fait des dos en plus. Ah, c'est quoi, c'est une journée toute pourrie. Ok, on revient. Enfin, je reviens le plus vite possible. Apparemment on a un AFK, 4 dégâts, qui est AFK dans un coin. J'attaque ferme. Il y a un paladin indicte. Et ils ont de suite des renforts ici. Vous pouvez pas choper la mine pour l'instant. Et tu n'es jamais une GG. Il faut qu'il y ait au moins 5 personnes qui le signalent à le guerrier AFK pour qu'il soit expulsé. S'il n'est pas en combat, mais là il est en combat donc c'est bon. Je retourne ferme. Je peux l'avoir tout seul le paladin. Je l'avais quasiment tué. Aidé par les gens de la forge. Quand t'as des mots après ce BG Arte, ça marche. On peut l'avoir celui-là, là on est en train de tag ferme, voilà. Viennaï, on va aller forge.
Nickel, comme ça on a la forge et les 4 autres bases. On est bien écu. Nickel, Artemos. Là, on est bien avec ces 4 bases là. On regarde juste est-ce qu'ils se font attaquer Siri. Pour l'instant non, ils sont deux. Je pull le prêtre ici. Je me prépare à aller des séries Alia et quoi des cachit. Il se fait attaquer des cachit. Pas grave, on va rester défendre en forge. On va rester défendre en forge. 3 bases ça suffit. Tu devrais rester écu Artemos. J'ai pas confiance. Ah, c'est Vulcian. Le druide, je le connais, il est pas mauvais. Mais s'il se fait attaquer à plusieurs, il aura besoin d'aide. Forge, c'est clean pour l'instant. Faut juste pas qu'il perde mine. Si vous perdez pas mine, c'est bon. Ça se passe bien. Nickel, le ship Nae pour le démonturer. Ah, c'est deux îles ici. On revient un petit peu. D'aide à la forge, ils sont 5. Et les îles sont en arrière. J'aurais un reste pour Nae à un moment donné. Qui est le gros qui fait des dégâts? Non, c'était le lien. Kick. Ah, j'ai raté le kill. Une seconde près. Il y a deux heals à la forge. C'était trop chaud, mine. Maintenant, il est tout seul, le paladin. Et je pense que on gagne même avec deux bases maintenant. Encore un petit tag. Je vais mettre comme ça pour voir le drapeau. Ah mince, il a été transformé, j'aurais pas dû le pull. Ça a ink mine. Oh, c'est GG, 5 secondes. Easy! C'est le poitrine en face qui a fait le plus de dégâts.
T'es au fait, maintenant que j'y pense. Hier après-midi, je suis allé faire des jeux de plateau avec mes amis québécois que j'avais pas vu depuis des mois à cause du confinement. Puis l'un de mes amis, il a fait imprimer en 3D une sorte de trophée pour la personne qui gagnerait le plus de jeux durant la journée. Et regardez, j'ai gagné un trophée! Bon, c'est pas forcément le bon moment pour regarder, hein, parce qu'on est en champ de bataille. Ça se voit. Regarde comment il est beau! C'est un dé avec un meeple dessus. Un GG! Merci, merci. En fait, on a joué à trois jeux, puis oh, je suis mort. La survie de guerrier. On a joué à trois jeux et j'en ai gagné deux sur trois. Mais il y a quelqu'un d'autre aussi. L'un des deux jeux c'était en équipe et il y avait une égalité. 2-3 aussi victoire. Sauf que le jeu que j'ai gagné à la fin, il a duré 1 heure alors que le premier jeu il avait duré seulement 15 minutes. Donc j'ai dit cette victoire-là elle compte pour plus de points. Puis ils ont dit d'accord. Voilà, mon trophée. Le war est AFK. Non, c'est pas moi. Je suis pas AFK. Ah, tu parles de Sivo? Lol. Du coup, la prochaine fois qu'on se voit, le mois prochain, je ramène mon trophée puis je le remets à un jeu là. C'est comme la coupe Stanley. Ou les trucs de ceinture de fighter. Focus le prêtre Artemis. Je l'ai double stun pour rien. Bif caméo. Cake mou. C'est un gâteau au bœuf. Le paladin. Oh, comment on s'est fait ninja comme des nobles sanctuaires. Il y avait un chaman. Et j'ai glissé, chef. En plus de gens stuff avec nous. Ah, c'est dimanche. Allo, valala. Comment vas-tu? Check mon trophée. Je suis fier de moi. Parce que j'ai gagné le plus de jeux de société hier avec mes amis québécois. Ça va et toi? Ça va bien? Oh, je. Merci, merci. Ah merde! J'enlève ça.
Je suis en train d'écrire la stratégie des chaudrons. On a perdu notre île. Il y a juste un petit peu beaucoup de mages. Feu ici. Je sais pas pourquoi ma vie est fond. Le prix de mage. C'est nul, guerrier, c'est nul. T'as pas de heal derrière toi, t'es mort. Y'en a que de base. On va aller à la ferme. On va aller avec Nae. Tu viens Nae, on attaque la ferme. En haut à droite. Il y a un chasseur qui défend. Là le souci c'est qu'on a que deux bases, là on peut pas se permettre de défendre. Ah, ils attaquent le centre, moi je vais jeter un oeil à la ferme. Le war est devenu très très lent depuis pas mal d'extensions. Oh, c'est surtout que le Führer, j'ai pas de polyvalence. Si j'étais spé arme avec la poly, je pourrais survivre. Mais là j'ai que du crit et de la hâte. Très peu de polyvalence, donc dès que je suis ciblé par un mage feu, soupe, pyro, combustion, je suis dead. Bon, ça va, y'a personne qui défendait ici. Je vais attendre. Le pal a beaucoup de béné à sel, je crois, c'est bizarre. Genre, je regardais les vidéos de Savix qui joue Paladin Vindict. Puis il est vraiment triste de sa classe qui est peu performante en arène. Mais en BG, je l'adore le Paladin Vindict parce que t'as tellement de trucs pour te protéger là. Alors que le guerrier arme en arène, il se débrouille bien. Mais en BG, si l'arme il se débrouille pas mal aussi en termes de survie là, parce que t'as beaucoup de polyvalence. On se fait détruire carrière. Il y en a deux qui ont Inc au sanctuaire. Nae est toute seule. Je vais l'aider. Anti-tag Nae, j'arrive. Ah, elle s'est fait contrôler. Faudrait que quelqu'un reste en permanence avec Nae. Ça va être moi. Je vais pas arriver à temps pour la sauver. Je sais pas. Me vois de là. Artemos, cache-toi. Ça me aide. Je sais qu'il faut récup, mais j'attendais notre heal. Ok, c'est bon, Nae est là. Viens au sud, Nae, viens au sud. Focus le paladin. Il a bu là. Je vais prendre la regen timer. Stun et on tue.
C'est bon. Je suis en train de tag. Je mets un petit tag, mais. Allez, finis-le! Oh mon dieu, d'où il se heal autant? C'est bon. Artemis qui a réussi à prendre. Il lâche pas le sous-wing, il fait plus de DPS que le chamelem. Après ça dure pas très longtemps. Ok, Artemis, tu restes sanctuaire et Naïe, on va en ruine. Et dès que tu t'as un Hank, tu hurles. Ou peut-être que Naïe préfère défendre. Bon, je vais juste revenir avec vous. Tank. Retourne en arrière. Check ça ma vie comment elle fond hein. Si j'avais pas claqué mon CD je serais mort là. Je suis mort pareil là. Ibus. Faut qu'ils prennent le marché. On va retourner au sanctuaire quand même. Ah, il va juste avoir. Ah, bah, t'as, il me faut mentir. Il me faut tellement mentir. Quoi, c'est même pas la tank ça. Avec un prêtre heal. Et un mage feu. Ok, le prêtre il défend. Je fais un fire sur le mage feu. Je peux pas kick celui-là. Tu peux raise Naï, on va te protéger un petit peu quand tu vas raise. Ah, je me fais défoncer par un mage feu sous combustion. Tout va bien. J'ai pu arrêter le ship. Ok.
On a 4 bases, maintenant faut défendre. Je vais essayer d'aller aider le druide qui est ruine. Qui est tout seul. C'est Ra. Ouais, Ra il se fait attaquer, il entraîne un titan, je vais essayer de l'aider. Pour tenir quelques secondes histoire de reprendre l'avantage. Ça va être chaud là. Ouais là c'est chaud 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 tendu. J'arrivera. Anti-tag un petit peu. Faut que je fire, sinon je vais me faire tuer en 3 secondes. Oh, je vais mourir durant un tourbillon. Non, c'est bon, potion. Rai est revenu, nickel! Vous avez vu ce timing? Un PGM. Move de PGM, c'est ce que je voulais dire. En plus Nae m'a suivi et du coup on a pu sauver le point. C'est bon, on gagne avec 3. Death. Il faut, ouais, Nae, si tu peux retourner avec Artemos peut-être ou au centre, comme ça on a un heal à chaque point. Le talent il est là! Exactement. Plus que 20 secondes. Attendez, c'est pas encore fini là. Si on prend 2 bases, ça peut être dangereux. Juste anti-tag. Oh je. Pouah! 15 coups fatals, 14. Je suis pas haut en dégâts, mais je les bute. Et justement, vu que t'en veux un X, voilà, voilà un X pour toi, Hanza. Berserker pour Bibi. Il s'est fait défoncer le DH. C'est tellement facile de kick avec chasseur. Ça c'est l'un des gros avantages. Pouvoir kick à distance, alors qu'elle est mêlée, quand je vois un mage feu ou un démoniste destruction casté à fond sur l'un de nos soigneurs, le temps que je cours dessus ou que je charge, des fois c'est trop tard là. Mais là avec chasseur, easy peasy. Ils ont pas d'équipement en face. Les orbes, les potes, on a déjà 3, mon ami. C'est suffisant pour l'instant. Massacre. Bah, ils ont qu'un seul soigneur. Les anglophones avec un seul soigneur. Ils sont pas aidés. Mais bon, j'ai aucune pitié pour eux. Parce que le nombre de fois où ça nous arrive de commencer les champs de bataille en sous-nombre. Au moins il y a une justice, parfois.
stun le prêtre. Ouh, comment il a fait pour se sauver? Kick. J'avais toujours un glaçon sur quelqu'un, et puis ensuite il se fait taper la seconde qui suit. Bon, je fais ok, c'est bon, je le tape. Mange ça, Donny, donne mon rogue. Le vieux. Multi. Ah, t'es justement, moi j'avais 200 000 PV. À croire que les Allemands aussi ils en ont des joueurs comme ça qui viennent staff de la chouette. J'ai raté mon kick. Pas le voleur que je voulais kick, c'était le mage. Elle est bête qui doit faire tout le tour. Démoniste, démonologie, une espèce en voie de disparition, comme le démoniste affliction. En fait, c'est tellement fort, démoniste destruction, que y a aucune raison de jouer les deux autres spells. D'ici Shadowland, je vais monter un démoniste côté Alliance et un druide également, avec les races alliées là. Espérant que le pré-patch soit bien et permette de monter facilement des personnages level 50. Le nouveau niveau max au pré-patch. Comme ça je monte toutes mes races alliées durant le pré-patch. Et je serai prêt pour Shadowland. Comme ça il y a une classe complètement cheatée. C'est bon, je l'ai. Ou attention, ils sont énervés. On a perdu nos porteurs. Ils ont bien joué quand même. Ils ont tous attaqué en même temps là. Je kick le prêtre. Allez, CD et reprend le centre. Bon, Emric. As-tu pu remarquer, regarder ton interface de modérateur? Genre, t'as une interface spéciale maintenant accessible?
Les mecs dans le. Dans le BGQ, le voleur, prenez les 4 orbes, j'ai pas besoin de le dire si. Non mais on a même pas le centre. Genre c'est juste faux, enfin c'est juste des fausses informations qu'ils disent. Prendre 4 orbes alors que t'as pas le centre, c'est juste demander à se faire buter. D'ailleurs, je disais qu'ils avaient un seul soigneur, mais en fait, nous aussi, on a un seul soigneur. J'avais pas réalisé qu'on avait été tout seul. Trop occupé à discuter. Ah putain, j'ai pas réussi à kick le prêtre à temps. Oh GG. Pour l'instant je me suis concentré sur les trucs solo là. Tout ce que je peux faire seul ou en petit groupe. Mais là, faudrait que je m'y mette à essayer de faire les trophées de raid. Les autres, ils trouvent pas, tu paies. Oh, j'essaie de trouver un groupe comme tu me disais de 30 tanks là. Pas payer pour ça. Il veut mourir ce druide. Alors, il veut se faire farm. Guerrier, porteur. Ah, j'aurais dû claquer. Ça va tomber à 50 000 à un moment, je pense. Pour Nezot HM, 50 000. Ah, ça va, c'est pas si cher que ce que je pensais. À 90 cette semaine. Ah, c'est parce que vous en faites dans la guilde, dans votre guilde. C'est pour ça que tu connais aussi bien les prix. Non, même pas. Il y a le moine en face qui a un drapeau. Voilà des îles maintenant. Vive l'attente, je voulais me dire, oh, j'attends le stun pour la dernière seconde. Mais l'arena est mourue. Elle s'est attaquée à un voleur, puis elle est morte de ses propres dots, j'ai l'impression.
Ah, c'est ce druide là qui m'attaque, je me disais d'où il m'attaque. Vous lui avez déjà expliqué qu'elle avait des objets maudits? Probablement, hein. Mais c'est pas la peine de lui parler. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Je la vois bien garder les objets maudits jusqu'à Shadowland et se faire tuer alors qu'elle est en train d'essayer de monter un niveau parce que les debuffs lui donnent tellement de dégâts reçus supplémentaires qu'elle se fera tuer par des monstres. Ou alors Blizzard va faire en sorte de désactiver les objets maudits parce qu'il y aura trop de gens qui savent même pas ce que c'est et qui vont faire des roquettes. Je comprends pas, je meurs tout le temps. D'ailleurs, je regardais une vidéo hier soir d'Asmongold qui reparlait de pourquoi ils ont enlevé le maître du butin dans le jeu. Et pour lui, la principale raison, c'est juste pour réduire le nombre de roquettes MJ. Il va mettre sur le forum trop dur le PEX, Kappa. Non, oh, il sait même pas comment écrire sur le forum. Moi, j'admire ça. Hanza, t'as ramé à dire ça. Parce que le but chez Activision Blizzard, c'est d'économiser le plus d'argent possible à ce moment-là. Donc ils essaient de résoudre des problèmes sans dépenser un seul centime. Depuis des années en fait. Donc comment réduire les roquettes MJ en mettant ça le plus simple possible. Salut Rogassi, comment vas-tu? Merci pour le follow, bienvenue sur le stream. Ah, j'ai oublié de changer mon azérite. Il faut absolument que je passe à changer mon azérite. Mon essence avec le paladin, j'ai toujours le rayon laser. Retour du skill, beaucoup vont chialer. Fini les arènes gratos avec dévastation du crépuscule en tank. Il y en a qui vont pleurer. Et d'autres qui vont être heureux. Peut-être pleurer de joie ou de tristesse. Mets des symboles vite fait, tac. J'ai un raid qui m'arrive sur le dos. Faut tuer le prêtre. Sinon il veut un ECM et nous jeter dans le vide. C'est bon. Les arènes, slash les MM, etc. Tout est carré par la corrup. Ça c'est sûr. Je pense que bizarre, ils se sont dit, hey, si on faisait un truc fun pour la fin de cette extension, où ça va être vraiment n'importe quoi. Ils se sont dit, oh, let's go. Rien ne va plus. Tant pis pour l'équilibrage. De toute façon, on n'arrive jamais à rendre les choses équilibrées. Autant mettre le paquet côté inverse. Bonjour voleur. C'est sûrement ça. C'est les mecs qui travaillent sur WoW depuis plusieurs années. Hein. Il fait oh, fuck off l'équilibrage, hein. On n'y arrive pas de toute façon. On met tout et n'importe quoi, au moins ils vont.
envoyer quoi pour dire virer des gens puis te payer 31 millions à de bonus. C'est un peu abusé. Il a dû bien rire hein, recevant leur truc. Après c'est France Telecom qui construit les lignes donc Free peut pas y faire grand chose. Ah ça c'est cool quand il se renvoie la balle. T'appelles un, tu dis non, il faut appeler l'autre. T'appelles l'autre, non, il faut appeler ceux-là. Ok, ils m'ont dit de vous appeler à vous. Je fais quoi? Mais non, c'est vraiment pas nous. Rappelez-les eux. Une éternité plus tard. Ils ont gardé les monopoles des NRA. L'acronyme pour quoi ça? NRA. Et des lignes. Aïe, ma vie! Check ça, comment ils me défoncent. Juste ma cheveux là. Nœud de raccordement ADSL. France Télécom, c'est une entreprise publique. Genre qui appartient à l'État ou pas du tout. Oui. Et y a que eux qui sont autorisés à faire tout ça là, poser des lignes ou raccordement. Non, privé. Un coup tu me dis oui, un coup tu me dis non. C'est con en plus parce que dans les NRA, il y a la fibre dedans aussi. Même si c'est écrit ADSL, il y a la fibre aussi. Mais à coup de pas. Donc c'est une entreprise privée mais ils ont le monopole et c'est autorisé. Ils ont pas... C'est les seules, la seule compagnie à être autorisée à faire ça. Je sais pas comment ça fonctionne non plus au Québec. Hein. Ce que je sais, c'est qu'il y a deux grosses compagnies qui se partagent le gâteau. Et après, t'as des petites compagnies qui essaient de gratter quelques clients avec des forfaits plus équitables et qui ont bien du mal à grossir. À cause que tous les habitués sont dans les deux grosses compagnies. Ah oui, c'était vraiment un massacre. Il y a juste une personne qui est mort. J'ai tout le monde. T'as plus ton apprenti, hein, BG? Mon apprenti? C'est qui mon apprenti? C'est deep. Il joue pas aujourd'hui. Mais maintenant il préfère essayer de nous snipe de son côté et jouer solo. Ça fait mal. Des Russes en face.
Oh, l'autre qui me fait chier. Moi aussi je peux le faire. Hein. Ok, il m'a kick une fois, je peux faire mes sorts de feu. Quoi? Ah, c'est l'autre mage feu qui m'a kick. Hein. Oh shit, on joue à la qui c'est qui fera le plus de kick possible. Ah merde, insensible. Oh t'es sérieux, mon sort il est pas parti. Bon, il est mort quand même. Bon allez, je vais aller faire son rivage haché avec mon rogue. Bon courage. Bon, y a pas besoin de les suivre là. Paf le démoniste. Ah oh, fuck, y'a le moine qui est revenu. C'est bon, il est mort. Tout s'est mêlé, je savais pas qui tapait là pendant une seconde. Allez, Roburst. Je rebuff Intel aussi pour les morues. Merde. Mauvais bouton. Est-ce que ça se détruit une statue même avec grosse pyro? Non, c'est insensible, ça qui c'est débile. Une statue elle est insensible à mes sortes de feu. Elle a grosse pyro. Oh shit, mafia. Je vais aller le ship. Ship le démo. Focus le moine. C'est bon, il est mort. On a plus de heal dans ce coin-là. Courage, Fio. Aïe, 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 ma vie. Allez Nae, je me meurs, merci.
tue le mage qui est dans son glaçon. Ou pas, il m'a kick. C'est le bataille de contre-sort ce BG là. Yo, y'a combien de délais sur ton stream? 0. Ou du moins 0, j'ai pas mis de délais supplémentaires. Mais il doit y avoir une dizaine de secondes environ. Le temps que moi j'envoie les données à New York, puis que ça revient en Europe. Allons aider le tank, Rudeuil. Il a un mâche-feu aux trousses. C'est bon, on l'a eu. Il est où le chasseur? Il est de l'autre côté. En position, team. Juste derrière la tour. On ship le moine. Oh shit! J'ai été stun. Adieu, monde cruel. Ils sont tous en def, les hors d'eux. Un peu plus le padin, je le ship. Oh GG, la diversion a bien marché. Pour l'instant ils ont tué le chasseur. Bon, faut que je m'occupe du paladin apparemment. Ah mince, il était sous liberté. Yumo heal, je me meurs. Non, je rechiple pas là. Ah non, c'est Hanza qui vient de mourir, j'ai cru que c'était mon heal. Et on a allé là. Oh fuck. Ils l'ont eu. Je vais me laisser faire tuer. Comme ça on repop en même temps. Ou pas. J'ai raté la res. On a eu aussi. Il y a le porteur adverse qui traverse. Même on a donné bugué tant que je suis mort. J'ai raté aussi, ouais, j'ai vu ça. Tristesse. Au moins, je vais pouvoir rebuff en même temps. Tac. On y retourne. Ils viennent le chercher chez nous. Ah, mais le moine, il est toujours chez nous, le porteur. Chez nous. GG. Le tank est resté sur le socle, c'est beau. Non.
Il a moitié de vie, il faut pas le chip. Un kick c'est mieux. Oh je vais le chip. Ils jouent tous avec l'anneau de givre. Faudrait peut-être que j'essaye à m'entraîner avec. On peut VH, là il reste 3 minutes. Full VH. On a qu'à intercepter le mage par la sortie de droite. Chip, anogive, météorite, cast, gros spiro, voilà le combo qu'ils font souvent. Parce que ouais, tu chip. Normalement, tu chip en premier pour faire une explosion pyro pendant qu'ils sont chip. Ensuite, le temps que la pyro traverse et de touche, tu mets un anogivre pour qu'il soit pris dans l'anogivre juste après les dégâts. Et après ça, tu recastes une deuxième grosse pyro. Sauf que c'est super dur à placer. Et ça me ferait perdre. Si je prends, mettons, l'anneau de givre. Tu perds quoi? En contrepartie. Si tu prends l'anneau, tu perds. Brûlure. Donc ça m'empêcherait de poursuivre un porteur de flag et de gagner en vitesse. Alors que j'adore ce bonus de rapidité là. Ça me sauve tellement souvent. Oh GG. Il joue DH, je ne le juge pas. Je t'ai croisé sur un pal aussi. Ouais c'est possible, sur ma paladine Ezyana. Alors dès que je gagne une victoire, je passe sur un autre reroll pour avoir le bonus du jour. Jusqu'à faire au moins 6 victoires. Et ensuite, je reviens sur les personnages que j'aime bien et qui sont le mieux équipés. C'est pour avoir monté le niveau d'honneur le plus possible. Je suis à 659, quasiment 660 chat. Plus que 200 niveaux pour être premier de mon serveur. Et le problème c'est que l'autre premier du serveur aussi y joue beaucoup. Ah c'est donc ça. Yep. C'est la meilleure stratégie pour monter ton niveau d'honneur. Avoir le plus de persos possible. Et faire les victoires du jour. Quoique, il y a aussi Pandora qui joue sur un seul personnage. Avec son équipe fixe, puis... Eux, leur stratégie, c'est gagner 100% des BG avec 5 personnages le plus cheaté possible. En l'occurrence, le DH, comme il n'y a pas trop de touches, ça va. Mais c'est ça! Genre, vous arrêtez... On est positif, il y a une bombe joyeuse. Mais restons positifs. C'est ça qui est trop bien avec le chasseur de démons. Vu que tu as seulement 3 touches à appuyer, tu peux parler en même temps. Parfait pour les streamers. Faut voir le bon côté des choses. Si c'est trop compliqué à jouer, comment tu veux qu'on discute en même temps? Ah bah tiens, est-ce qu'on va faire un 5-0? T'es attaquant carrière. Petit 5-0. Heureux Winchester. Il y a besoin d'aide à la ferme apparemment. 5 ennemis qui arrivent. Ah mince, ils ont perdu le sanctuaire. Il y a deux ennemis ici. C'est bon, on les tue, démoniste. Viens de temps. Juste un DPS. Le paladin.
Oui, un DH, tu peux face roll, te faire bouffer et parler sur Twitch en même temps. Et imagine pour les jeunes joueurs. C'est quoi qu'on avait dit déjà, à partir de 3 ans, tu peux jouer des chasseurs de démons. Pratique. C'est accessible même pour les plus jeunes. Ils ont encore besoin d'aide à la ferme, j'aurais dû aller ferme au lieu d'attaquer Carrière. On est en train de perdre les bases. Attendez, encore y avoir longtemps. J'aurais dû aller là-bas, ouais. Carrière, c'est inutile, ils sont trop nombreux. Il n'y en a que 3. Je crois que peut-être, attendez. Non, oublie ça. Fuyons, oh non, on perd notre temps là. Ah, quoi qu'il y a 2 voleurs de plus qui arrivent ici. Ok, ok, on tente hein, encore. J'adore la ruée qui me fait aller 10 fois plus loin quand je suis bump. Je suis toujours en combat malgré que je vanish. Ah, faut pas trop en demander avec le talent des elfes. Ok, c'est bon, on a tué le druide. C'est à boire qu'il nous faut. Ça, c'est un fait de Valhalla. On fait apéro. Un an et demi pour les DH et 3 ans les chasseurs spébêtes. Yes, on va faire enfin avoir les ruines. En carrière. Pas trop tôt. On a une nouvelle vague qui arrive. Tu restes défendre ici, non? On va aller aider Anaï, c'est trop. Oh non, il y a une horde qui arrive, carrière, j'ai rien dit. Demi-tour. C'est équilibré les DH. Ça va, c'est correct. J'aurais dû aider notre druide un peu plus tôt que ça. Focus le paladin. Go def les 3 bases, 5-5-5, pas bête. Un heal dans chaque coin. Et on est positif, chat, il y a des bombes joyeuses. On aime les DH. Les chasseurs de monde sont nos amis. Je suis positif, j'adore quand j'arrive à un tueur. Voilà, exactement la mentalité qu'il faut avoir. Moi, c'est quoi la classe que j'haïs le plus? Et donc que j'adore tuer? Les voleurs.
Mais non, non, c'est plus les voleurs en ce moment, je pense que c'est les démonistes. Genre très proche aussi du mage. Genre ce genre de démoniste là qui arrête pas de te contrôler. Je vais passer par l'eau. Étourdi, étourdi, étourdi. Tac, on recharge. Ceci. Double stun ou pas, je suis fear. Voilà, voilà pourquoi il y a tant de monde qui déteste les démonistes. Fear infini. Il devrait avoir un temps de recharge dessus comme dit Savix. Le magivre aussi. Ça dépend avec quelle classe le mage givre. Genre avec le chasseur de démons, j'ai pas de problème avec mage givre. Que t'as deux trucs pour te libérer. T'as inversion de la magie et tu peux t'envoler avec plus 5 glandes. Donc même si t'es gelé régulièrement, tu peux continuer à agir. Allez, on se fait un petit 5-0 là. Je tente ruine. Ils ont un joueur AFK Kodiak. Bonjour, je fais que passer. Ça t'arrive d'avoir des problèmes contre qui que ce soit avec un DH? Oui. Je peux mourir sur un stun sans que je puisse agir. Surtout s'ils sont plusieurs sur ta gueule et que t'as pas pensé à faire ténèbres en avance. Heureux Artega, je suis dispo si c'est apprécié rien de place. Ça marche, prends un ticket. Aïe aïe aïe, la défense. Coronivore s'est fait tuer à la ferme. J'arrive Coronivore. Lancer de cailloux. C'est comme ça qu'ils auraient dû appeler ce sort là, tu veux dire? Au lieu de plus 50, lancer de cailloux. Il y a des problèmes sanctuaires aussi. Un plus que de base. Non, Nae! Est-ce qu'il y a autre chose qu'un guerrier dans la zone? Non. Caillou gangréné. Sort le plus ridicule du jeu. Bah c'est pas ridicule. Si tu lagues, tu t'envoles dans les airs mais t'as pas de sort. Puis tu retombes comme une masse. Et tu t'écrases à terre. Ça m'est déjà arrivé. Vous êtes combien? Là on est 5. Mais je sais pas si quelqu'un va bouger ou pas après ce BG. Il y a plus ou moins 14 joueurs au sud. C'est le parté au sud apparemment. Go snipe. Exactement. J'arrive. Il a bulle. Oh, c'est cité le prêtre, on n'y touche pas. Vous avez vu ça? Je suis un DH discipliné. Une cage. Un stun. Oh, il a fait évasion. Non, même pas. Ok, il a évasion, mais il a pas. Enfin, il a disparition, mais il a pas le talent qui fait évader les attaques. Prends 3 randoms et go RBG. Oh mon dieu! En plus, il y a Antares, Nae. Si Artega vient avec son heal, on pourrait en faire un. Hein.
quelle idée! Genre là on est 5, 6, 7. Si Nelora veut venir, 8. Pour une compo, Osef pour le fun! Se fait défoncer. 8 avec Juno. C'est ce que je leur dis, Juno. Je leur dis, mais si on y va avec n'importe qui, on va se faire défoncer. Il fait, oh, c'est pas grave. Allons mourir dans l'atroce souffrance. Donc, qu'est-ce que tu nous dis, mais en vrai, on est bon. Ah, mais je doute pas de la... du skill de chaque joueur. Moi, j'ai juste peur de tomber sur des énervés à 2000 de cote avec full corruption. Et qu'on meurt à coup de dévastation crépusculaire. T'as la joie et la bonne humeur, c'est ça. Wow, j'ai gagné un thé. Oh, GG.